Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai été faire mes courses. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Les rayons étaient un peu vides, mais bon, j'ai pu faire mon menu et faire les courses qu'il me fallait pour la semaine. Alors là, j'ai pris une bûche aux chèvres. Voilà, ça c'est pour faire mes toasts aux chèvres avec une salade. Ça, j'ai pris aussi des tortillas, il y en a 12. Pareil, c'est pour faire mon menu de la semaine. Là, j'ai pris des Activia, par contre, ça, je les ai pas pris à Lidl, je les ai pris au petit marché. Ça, je les ai pris, ils étaient en promotion, je les ai pris à 89 centimes, franchement, et j'adore ça. Là, pareil, j'ai pris. Là, c'est toujours à Lidl. Celui-là, j'ai pris. C'est une compote allégée et c'est pêche pomme. Voilà, j'adore ça. J'adore les pêches et j'adore les compotes. Là, j'ai pris un paquet de spaghettis pour aller avec un menu que j'ai prévu, une recette que j'ai prévue cette semaine. Ça sera avec des verrues de mer, je pense que ça se dit comme ça, à l'italienne. Là, j'ai pris aussi un concombre. Là, j'ai pris un pot de mayonnaise. Là, j'ai pris de la tomate à cuisiner, c'est pour pouvoir faire des lasagnes ou faire des pâtes. Là, j'ai pris une brique de lait. Alors, le lait, nous, on ne boit pas trop de lait à la maison. Voilà. Là, j'ai pris uniquement si je veux faire de la béchamel, comme il m'en restait plus, pour faire de la béchamel ou faire une sauce qu'il faut. Là, pareil, j'ai pris du pain. Alors, c'est du pain pour faire des paninis. Voilà. Mais moi, je m'en sers des fois quand on est un peu en galère et on veut du pain. Bah, j'ai juste à le faire cuire. Là, j'ai pris un paquet de tranches de pain pour faire les sandwichs pour mon fils. Là, j'ai pris des crêpes pour lui. Voilà, fourrées au chocolat. J'ai pris des barres au chocolat fourrées, pareil. Il adore le chocolat. Là, je lui ai pris aussi, c'est des façons, on va dire, pépito, voilà, avec fourré au lait. Ça, il adore ça. Tout ça, c'est à Lidl, hein. Ça, j'ai pris pareil, c'est des petits fourrés. Voilà, lui, si on lui achète pas des choses avec le chocolat, il n'aime pas trop. Là, j'ai pris ça, c'est aux petits frais, c'était en promo, le petit marché. Et là, pareil, c'est Nesquik. Et j'ai pris, voilà, j'ai pris, il y en avait 5, il y a 5 dedans, et je l'ai pris, il était à 90 centimes. Voilà, et j'ai pris aussi. Voilà, des princes pour lui, pareil, c'était 99 centimes. Excusez-moi, je me suis trompée, celui-là aussi c'était 99 centimes. Et 99 centimes, ils étaient en promo, voilà, j'ai pu lui prendre. Là, j'ai pris, pareil, c'est des cracottes, voilà, pour le petit déjeuner le matin. J'adore, j'aime bien déjeuner avec ça, avec un yaourt, un fruit, ce qu'il y a, quoi. Alors là, j'ai pris des légumes. Alors les légumes, j'ai pris un concombre directement à Lidl. J'ai pris des tomates, voilà, des tomates cerises un peu trio. J'ai pris des fraises. Alors les fraises, je les ai pas pris à Lidl. Je les ai pris au petit marché. Ils étaient à 99 centimes. Franchement, ça en vaut et ça sent super bon. Et je pense qu'on va les manger ce soir. Plus, j'ai pris des endives. Alors, les endives, je les ai pris à Lidl. Pareil. J'ai pris une salade aussi. Voilà. Ça, j'ai pris à Lidl. Pareil. J'ai pris 1 kg d'oranges que j'ai pris directement au petit marché. Franchement, ils n'étaient pas chers. Ils étaient à 1,49 € le kilo. Et là, j'ai pris des tomates. C'est des tomates. Bon, j'ai pas encore ouvert hein, mes tomates. Voilà, c'est des tomates à grappes. Et pareil, c'était 1,99 € le kilo. Bon, j'ai pas pris 1 kg. Là, j'ai pris un ananas et que j'ai acheté directement à Lidl. Ils étaient à 1,40 €. J'ai oublié de vous montrer parce que j'ai pris aussi. Voilà, j'ai pris de la pastèque. Voilà, j'ai pris, si je pensais 1 kilo, voilà, il était à 99 centimes le kilo, ben j'ai pris 1 kilo, j'en ai eu pour 1,49 €, c'était plus qu'1 kilo.
Alors là, je suis partie au petit marché. Alors on va dire un petit marché où il y a des fruits, légumes, gâteaux, il y a un peu de tout. Mais franchement, c'est pas cher du tout. Alors là, je suis partie, j'ai pris du salami de dinde pour mon fils. J'en ai pris deux, ils étaient en promo. Franchement, pas mal. Ils étaient à 89 centimes, mais je vous mettrai le prix, vous n'inquiétez pas. Là, pareil, poulet, pareil, délice. J'ai pris doré au four. Pareil, ils étaient en promo. Je pense qu'ils étaient à 99 centimes. J'en ai pris un. Et là, j'ai pris des saucisses. Alors, ces saucisses-là, je les ai pris directement à Lidl. J'ai oublié de vous les montrer. Et là, celui-là, je l'ai pris à Lidl. Voilà, des saucisses pour faire des hot dogs pour les enfants. Et là, j'ai pris du blanc de poulet. J'ai pris 1 kilo. Voilà, 1 kilo. Et j'ai payé. Alors, la viande, elle est super chère. J'ai payé 10 euros. Il y a 1 kilo 100. 1 kilo 118. Voilà, ça va me faire un peu la semaine, ou peut-être que 2 jours, et le reste je le laisserai pour la semaine prochaine parce que j'avais plus de blanc de poulet. Les produits frais que je vous montre là, ça c'est des produits que j'ai pris chez Lidl. Alors j'ai pris des dés au fromage, voilà, pour la salade. J'ai pris de la mascarpone. Tous les prix, je vous les mettrai en barre d'infos ou en haut, là, je ne sais pas, là, je ne sais pas du tout. Là, j'ai pris des carottes râpées. J'ai pris aussi de l'emmental. Et c'est pour faire mes menus cette semaine. Là, j'ai pris 500 grammes de fromage râpé. Là, j'ai pris 4 pots de vanille. Plus j'ai pris, là, ici, j'ai pris du fromage grec. C'est des yaourts, pardon, c'est pas du fromage, c'est des yaourts grecs. Là, j'ai pris des lardons halal, voilà, pour faire ma recette, que je vous montrerai si vous le souhaitez. Je peux vous donner quelques idées. Là, j'ai pris 2 paquets de blanc de poulet. C'est surtout pour mon fils, pour qu'il puisse faire ses sandwichs. Vous savez, tellement il fait chaud que maintenant, plus personne n'a envie de manger. Alors, il préfère manger des trucs frais, c'est-à-dire salade avec un petit sandwich. Et là aussi, j'ai pris des macarons. Alors, les macarons, ils sont à 1,40 €. Franchement, ça vaut la peine. Voilà, c'est du anti-gaspi. J'ai pris aussi des pommes de terre galettes. Voilà, des galettes de pommes de terre, pardon. Ils étaient à 59 centimes. Franchement, c'est le top. C'est pas cher du tout. Là, pareil, j'ai pris 2 paquets de moules. Il y en a 12. Voilà, façon farcie. Et j'en ai pris deux paquets. Et le prix de un seul, alors je zoome, 1,40 €. Voilà, 1,40 €. Et là, pareil, j'ai pris. Alors, c'est des verrues que vous mettez avec les spaghettis façon italienne. Et là, pareil, j'ai pris le paquet anti-gaspi à 1 €. Alors, attendez, je vais essayer de zoomer. 1,38 €. Franchement, ça vaut la peine. Voilà, maintenant c'est les boissons. Alors, j'ai pris 2 bouteilles de Volvic à la pêche. Ils étaient en promo aussi à Lidl. Hein. Franchement, ils étaient, je pense, 1,49 € et le deuxième à 69 centimes. Mais bon, je vous mettrai le prix, je ne veux pas vous dire de bêtises. Là, pareil, j'ai pris jus de pomme. Pareil. Alors, j'ai pris aussi le nectar d'orange. Voilà. J'ai pris aussi un petit jus multifruit pour le matin. Et j'ai pris du Free-Wai Cola. Voilà, j'adore ça. Je préfère celui-là que le Coca-Cola. Bon, c'est pas très bon pour la santé. Mais j'aime bien celui du 2 litres. Ça nous suffit des fois pour 2, 3 jours, ça dépend. On adore le soda. Surtout maintenant, il fait chaud avec des glaçons, c'est super bon. Voilà, si vous regardez bien, j'en ai eu pour 59,45 € que j'ai payé à Lidl. Voilà. Et au petit marché, voilà, petit marché boucherie, comme je vous ai dit, le petit magasin, j'en ai eu pour 22,13 €. Voilà.
vidéo est terminée. Ben, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de retours de courses, remplissage d'enveloppes et suivre le budget avec moi. Et comme ça, si ça vous intéresse, vous aussi, vous pouvez adhérer au remplissage des enveloppes, c'est-à-dire adhérer au système des enveloppes. Et franchement, c'est super bien parce qu'on fait des économies en faisant ses courses, mais en même temps, on fait très attention à ce qu'on dépense. Voilà, ben je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de liker. Bisous, bisous, bye bye.